Bon, Denis, ça c'est Horizon, Lago, Boca Lago. Comme tu peux voir, bon, normalement c'est gated, mais je veux dire, je crois que pendant la journée, il n'y a pas de garde. Ça c'est les trois locations que tu vas voir dans cette vidéo. La première, c'est l'appartement à 128 000. C'est vraiment très près du gate, comme tu peux voir. Et bon, celui-ci est là au deuxième étage. Bon, on va l'accéder bientôt. Quand tu arrives, bon, c'est très propre. C'est le parking qui est juste là, ok. Ça, c'est le bâtiment. Et comme tu peux voir, c'est très bien entretenu, très propre. Vraiment nice. Bon, tu vas au bout du building, et puis tu as les escaliers qui te montent jusqu'au deuxième étage. C'est le unité 200 Amena B. Quand bon, tu rentres, c'est du parquet. Le water heater AC, bon, le AC, je crois qu'il a quelques années, mais je veux dire, le water heater, il est pratiquement récent. Tu vois, il n'y a pas de dommages avec l'eau, les cabinets sont très propres. Ils sont originaux, donc c'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire, mais ils sont en bon état. Tu vois le parquet, et puis ça c'est la petite salle de bain où il y a le wash and dryer stackable. Donc, tu peux voir la petite shower. Et ça c'est la petite chambre aussi, il y a le parquet, le closet. Bon, c'est une chambre, c'est une taille vraiment très bonne taille quoi. Bon, comment, la vendeuse, bon, elle est en train de, elle veut vendre les meubles qui sont dedans aussi. Ça dépend du prix que tu vas lui offrir pour la maison. Elle me dit que le toit dans l'immeuble avait été remplacé il y a 2 années ou un truc comme ça, quoi. Elle essaie de vendre ses meubles ici, quoi. Je sais pas si tu es intéressé à ça, quoi, mais bon, tu peux voir du balcon, il n'y a vraiment pas une vue, quoi. Bon, c'est assez privé dans le sens que bon, il n'y a personne qui peut vraiment te voir, quoi, mais je veux dire, tu vois le toit de la communauté qui est à côté, quoi. Ok, dans la chambre, il y a du tapis. Ça, c'est, il y a trois closets. Bon, la vue, tu vois, comme je dis, c'est les toits de la communauté qui est à côté. Et puis, il y a bon, dans le plafond, là, tu peux aussi explorer des trucs. C'est au deuxième étage. Ça, c'est les petits détails qu'elle a dans la maison, quoi. Bon. Ça, c'est dans le master. Rien d'extraordinaire, mais c'est propre, c'est assez propre. Je veux dire que elle soigne quand même, ça se sent quand même. Et c'est l'unité à droite qui avait été remplacée il y a moins de 2 ans, il m'a dit. Bon, maintenant tu vas au bout de la rue, tu arrives au clubhouse. Tu vas voir les photos aériennes. Il y a une piscine à l'intérieur de l'immeuble. Je ne sais pas ce qu'il y a, si tu as un gym ou un sauna ou un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Ok, j'avais pas accès, donc je ne peux pas te dire. J'ai pu prendre des photos de la piscine, et tout ça. Bon, c'est très peinard. Je sais que t'aimes bien le soleil, donc
T'arrives là-bas, tu prends ta petite. Tu fais tes petits laps dans la piscine. Ils ont même un petit truc de barbecue, comme ça tu fais ton petit barbecue si tu voulais. Bon. De là, on va sur celui-là qui est 21 910. Bon, ça, c'est un condo qui est sur le golf course. Et je sais que c'est ça que vous aimez. Le seul truc que bon, tu vois, tu es sur le golf course, mais le seul truc, c'est que bon, même si c'est le premier étage, on te donne pas vraiment une terrasse. Parce que ça aurait été superbe si tu avais une terrasse, tu pouvais t'asseoir dehors et puis, tu sais, même regarder les gens golfer, des trucs comme ça. Comme bon, mais l'unité, c'est celui à gauche là, donc tu arrives et directement ta porte est à gauche là. Okay. Tu rentres. Et ce que j'ai bien aimé avec cet appartement ici, il a été repeint carrément. Il est carrelé, à part les chambres. Ok, les chambres ont un tapis. Bon, tout a été refait. Le AC, je crois que, si je me rappelle bien, c'était 2005. Et puis bon, la cuisine, tu vois, bon, c'est aussi original. Mais je sais pas si tu remarques, les portes des cabinets, il y en a quelques qui sont différents. Et sûrement qu'il avait refait ça, ou un truc comme ça. Mais disons, tout le réchaud, le frigo, le dishwasher, le microwave, ils sont tous nouveaux. Okay, il les a remplacés. Et bon, ça, c'est pas granit, hein, mais c'est bon, ils le font ressembler au granit. Bon, tu rentres dans la petite chambre. Et bon, c'est un tapis. Je sais pas si tu il y a une tache sur le plafond. Sûrement qu'il faut repeindre le plafond à ce moment-là, quoi. Et sinon, t'as le croisé de la chambre, tu as la vue du parking. Tu arrives maintenant dans la petite salle de bain. Et elle a été bien refaite. Hein. C'est vraiment très bien. Très sympa. Bon, le wash and dry sont là. Mais dans le placard où le wash and dry sont, bon, c'est un peu petit. Donc, je sais pas ce que tu peux faire maintenant pour quand même cacher ça un peu, quoi. Bon, ça, c'est la pièce principale. Je sais pas si tu avais remarqué, dans l'autre, il y avait un évier dans le wet bar. Ici, ils ont retiré l'évier, quoi. Je sais pas si les gens utilisent toujours les wet bar, quoi. Bon, tu arrives, puis t'as le golf course à l'extérieur, mais non. De ton enclosed balcony. Ok. Le seul truc, si tu avais une petite terrasse, ça allait être parfait. Tu vas dans le master, et comme je disais, le tapis, il y a vraiment. Il y a rien, mais il n'y a pas de tâches, des trucs comme ça. Là, tu peux mettre un king size là-bas, donc tu as la vue du golf course. Comme l'autre appartement, tu as trois closets. Okay, deux normaux, un qui est walk-in closet. Tu vois, des petits trucs comme ça qu'il faut nettoyer puis repeindre à l'intérieur. Mais sinon, il y a vraiment. Bon, si tu passes plus d'une journée à nettoyer, c'est trop. Donc, ça a déjà été nettoyé. Ils gardent ça très propre. Il n'y a personne qui habite dedans. Bon, le troisième, j'ai pas pu avoir l'accès parce qu'à cause du local. Ok?